ジオールマイティは未来を改変する力だ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。さあ。Hey guys, the news is in course of Soldex, and if you're new to the channel, please don't forget to subscribe because it does really make a difference. Anyway, movie banners are returning to Bleachway Souls. In exactly 2 days, the four movies will be split into two banners, the Movie Selection 1 and Movie Selection 2. And as soon as we have some more information, it will be updated on Discord. And speaking of which, just check this, notification rules. So now you can just like react here to receive one of those notification rules. And as soon as the news drops, you will be instantly notified on Discord that something is happening. You have two options. You have either new banner alert or news notifications. So depending on which one you've chosen, you will be notified accordingly. There will also be two tickets, the Movie Pack Volume 1 and Volume 2. These will probably behave like seasonal tickets, meaning you'd probably have 40% chance for one of the banners and 60% chance for a fillers. And so far we only know the fillers for the first movie pack, which are going to range from Kazeshini's banner all the way to Mad Isane's banner. That's it for this video, I hope you enjoyed, and I'll see you next time. Tchuss! Salut les amis, alors la news vient de tomber. Et avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, parce que ça fait vraiment une différence si vous le faites. Et j'apprécie énormément, en tout cas. Donc la news vient de tomber, on a deux bannières qui vont arriver très très bientôt, dans 2 jours exactement, à propos des films, les films 1 à 4. Et ces films vont être répartis sur deux bannières, la sélection numéro 1 et la sélection numéro 2. À ce stade, ce sont des infos déterminées par Soldex, on n'a pas plus d'informations. Dès qu'on en aura, tout sera posté directement sur Discord, il y aura également 2 tickets pour célébrer ça. Ces tickets, ce sera probablement comme les tickets saisonniers avec le ratio 40% de chance d'avoir un personnage bannière et 60% pour un personnage filler. Filler qui, on le sait uniquement pour le premier pack, vont de la bannière de Kazeshini jusqu'à la bannière de Isane Esprit. Je pense que c'est Esprit. Voilà, voilà. Autre chose, si vous voulez être notifié à la seconde où les news tombent, on dispose maintenant de rôles sur Discord, où il suffit de réagir ici dans ce channel, pour automatiquement être notifié dès lors que la news tombe. Parce que comme ça, voilà, la news tombe et on a, le petit tag ici qui vient vous mentionner dès lors qu'on a ces news. Comme ça, vous savez aussitôt ce qui se passe, quand ça se passe, etc. Voilà. Je compte sur vous et je vous dis à plus. Tchuss! Hola amigos, la noticia acaba de caer cortesía de Soldex. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte porque realmente hace la diferencia. De todas maneras, los banners de películas vuelven a BPS. En exactamente 2 días, las 4 películas se dividirán en 2 pancartas. Las noticias se actualizan en el servidor de Discord tan pronto como tengamos más información. Y mira esto, aquí, en notificaciones, si quieres que te avisemos en cuanto salgan las noticias, asegúrate de obtener tus roles de notificación de noticias aquí. En otras noticias, también vamos a tener unos tiquetes y probablemente sean como tiquetes de temporada de personajes seasonals en inglés. Es decir que un 40% de posibilidades para un banner y unos 60% para un personaje del banner. Eso es todo. Os digo a la próxima vez. Tschüss. ユーハッバッハ、お前のすべてを奪うものだ。絶者！絶者！